Je t'ai donné la recette de bon pain d'autrefois. Je te dirai maintenant l'art d'Alexis et comment il excellait à construire des fours. Il aimait construire en septembre au retour des récoltes. Le matin de l'œuvre, dès l'aube, il entrait dansant et chantant au milieu de ses matériaux. Il faisait d'abord le bâti de l'âtre, se mettait ensuite à ceinter son moule. Tu moudris, tu moudras mon grain. Tu moudris, tu moudras mon grain. L'urne à feu était maintenant prête, en quoi, même dans la froide nuit d'hiver, on conservait du soleil et de l'or pour cuire et dorer les miches. Moi, c'est drôle, hein? À un moment donné, je m'en vais à Clermont, puis là, moi, je suis éducateur spécialisé, hein? Ça fait que là, l'éducateur spécialisé, ça fait pas grand-chose l'été, ça peut mouler l'été. Je trouvais ça ben ordinaire, là. Rien fait. Moi, tu me vois sur une plage parce que je suis mort, là. T'sais. Tu me vois tomber sur une plage, coucher sur une plage, je suis mort. Pas parce que je vais me coucher là, moi, j'aime pas ça. Ça fait que là, je pensais à ça, j'ai dit, Christy, qu'est-ce que je pourrais faire l'été? Ah, j'ai dit, ça serait le fun de faire du pain. Puis là, je me mets à parler de ça un peu partout. Puis là, je m'en vais chez La Pointe à M. Pas La Pointe, M. Joe Demel à Clermont, là, il y avait un magasin général. Ah, il dit, va donc voir Roger Ouellet. Il dit, Christophe, il dit, Roger Ouellet, là, il dit, il en fait des fours à pain. Ah, ouais? Donc, j'avais entendu ça, Roger Ouellet, je connaissais ses frères. Puis là, je m'informe ce qui reste, j'arrive là. Entrez! Bonjour. Là, on se présente par nos pères. Moi, je suis le garçon Roméo Gobeil. Hervé Gobeil, ça n'a rien dit. Je suis le garçon Roméo Gobeil. Hervé Gobeil. Ah, il dit Roger, il dit Roméo, je l'ai bien connu, c'était mon chum, mon père est venu au monde en 1918 aussi. Fait que j'ai dit là, j'ai dit, je voudrais me faire un four à pain. J'ai entendu dire que vous étiez capable. Il dit oui, puis il dit, ma femme, là, elle va te donner une recette de pain. Ah, ben tabarnache, t'es tombé dans la marmite. Arrivé là, j'ai commencé, comme je te dis tantôt, là, à aller faire du pain une couple de fois par semaine pendant au moins 3 mois. Puis après ça, quand j'ai été pas pire, là, quand elle m'a dit, bon, ouais, t'es capable, alors, vas-y, prends confiance en toi, là. Là, il est venu me faire le four à pain. En avant du manoir Charlevoix, en arrière, ce que je te disais tantôt. C'est là que j'étais. Ça fait que ça a commencé de même. Mais lui, il m'a montré. Puis lui, il faisait des bons fours à pain aussi, Roger. Mais il les faisait pas vraiment comme Alexis. Il les faisait, moi, je les fais en aune, là, vraiment avec une belle ossature en aune à toutes les 4 pouces, là, puis une toile de poche par-dessus, bien tendue, là, puis tout ça de même. Mais lui, il mettait un tonneau, un corps de 500 livres, là, en bois. Puis il grossissait le cul avec du bois de poêle, puis de la couenne. Puis là, après ça, il faisait son four. Mais il faisait des fours moins longs un peu, là. Peut-être un drum, tu sais comment est-ce que c'est. C'est à peu près long comme si c'était au point. Puis là, il grossissait ça un peu. Il devait cuire une vingtaine de pains, peut-être, là. Fait que lui, il faisait de même. Mais il avait une belle recette d'argile. Il avait des petits secrets qu'il m'a transmis. Moi, après ça, quand j'ai commencé, je l'ai fait. Bien là, ça, on a tellement des belles outils, là, tu sais. C'est sûr que commencer avec prendre ton aune, la plier, puis là, aller l'attacher, c'est assez dur, là. Ça s'attachait quasiment pas. Lui, il se mettait un carcan en bois, comme ça, puis il me piquait ses aunes là-dedans. C'était pas évident, là, tu sais. Moi, j'ai gardé son petit carcan en bois de 4 pouces, mais là, avec des morceaux de bois, là, on prenait ça, puis là, avec une drill, puis une vis, pssst, tu vis ça, là. Ça bouge plus. C'est... Tout est là. Ça reste là. C'est sûr et certain. En tout cas, c'est ça. D'où ça me vient la passion pour la boulange? J'imagine que la personne qui me l'a montré était passionnée aussi. Parce que la femme à Mme Ouellet avait fait du pain toute sa vie. Elle m'a dit qu'elle avait appris à faire du pain avec sa mère. Elle avait 7 ans. Au début, Mme Ouellet est venue au monde en 1918. Puis Roger était mis au monde en 1917, lui, en 1916. Puis elle était petite, puis elle faisait du pain dans les années 20 même. Elle faisait du pain avec sa mère. Fait qu'elle a toujours fait du pain. Donc, c'est sûr que quand elle m'a transmis la recette, puis elle m'a transmis le savoir, là, elle savait ce qu'elle s'en allait, puis elle était passionnée. Puis elle m'a dit, apprends-les.
Parce que là, j'étais allé chez eux pendant 3 mois, une fois ou deux par semaine, puis on faisait du pain. Puis là, après ça, là, on a dit, garde, lâche-toi. Envoie par là. Moi, je vais te dire de quoi. Ce qu'elle m'a transmis de plus important, je te l'ai dit tantôt, c'est son amour du pain. Puis elle voulait que je réussisse. Ça, là, elle me le disait, elle dit, Hervé, t'es le petit gars qu'on n'a pas eu. C'était bon, ça. Elle me disait ça. Mais le conseil le plus important que j'ai eu, c'est Roger qui me l'a donné. Il m'a dit, Gabeille, prends-toi jamais au sérieux. C'est la fille d'un pauvre homme qui s'élève de grand matin, dit Gaudin. Elle s'en va au moulin pour y faire moudre son grain. D'habitants, c'est sûr. Écoute. Pain d'habitants, si tu parles du pain en tant que tel ou tu parles du nom, le nom, c'est. Il y a bien des noms, le pain du chantier, le pain de chantier, le pain de la maisonnée, le pain de la mer. C'est le pain d'habitants, le pain que les habitants faisaient. Généralement, à la main, élevé température de pièce, il faisait à la main dans des huches dans ce temps-là. Regarde, vois-tu? On s'en vient là, on s'en vient bien. C'est un pain fait à la main traditionnellement. Levé, coupé, puis élevé température de pièce, puis cuit dehors là. Et voilà. C'est, je peux pas te dire plus que ça, là. C'est ça, le pain d'habitant. Regarde, vois-tu, lui-là, là? Regarde, la même affaire. Regarde, parfait. Mais ça, là, vois-tu, là, ça, c'est un pain blanc, non blanchi. Fait qu'il est pas blanc. Parce qu'il a pas été traité. Puis avant que les raffineries là, pour le blé, comme Robin Hood ou quelque chose du genre, là, ça faisait du pain de cette couleur-là, même plus foncé que ça, parce que probablement qu'eux autres, là, sur le buteau, là, t'as le germe, après ça, le grue blanc, le grue rouge, puis l'écorce. Quand tu fais une farine de blé, tu prends le germe, le grue blanc, le grue rouge, 30% d'écorce. Tu fais une farine de blé avec ça. Ça, c'est une farine blanche, c'est-à-dire qu'on prend le germe, qui est à l'intérieur du blé, après ça, le grue blanc, qui est l'écorce à côté du blé, puis là, il fait une farine blanche avec ça. Mais du blé, là, tout le monde en se met, hein? Quand il se met du blé pour les animaux, puis il se met du blé pour le pain. Il y avait le blé panifiable, puis le blé pour les animaux. C'était deux sortes de blé bien différents. Comme nous autres, Jean-Guy, là, c'est un blé d'été, OK? C'est pas un blé d'automne comme en Alberta, là, ou en Saskatchewan, Manitoba, là. Ils font du vrai blé. Nous autres, c'est un blé d'été. C'est un blé qui est semé au mois d'avril, mai, là, quand le terre est un peu, au mois de mai, généralement, là. Puis après ça, il est récolté en octobre. Mais quand moi, j'ai commencé avec Jean-Guy, OK, puis Hubert Tremblay, OK, on avait un blé d'été. C'est Hubert qui nous semait le blé, il l'entretenait, il engraissait le terrain, il mettait des... ce qu'il fallait qu'il mette dans le sol, là, de l'azote. Je pense que ça prend beaucoup d'azote, le blé. Puis après ça, ben là, c'était du Celtic, un blé barbu. On a boulangé nos pains blancs, notre pain de blé, notre pain farine blanche non blanchie, avec la farine à Jean-Guy Tremblay, des éboulements. Là, tout est fait. Là, j'ai ma première levée, 90 minutes. Point final, c'est comme ça. OK, là, le pain d'habitant, comme je te disais, c'est que tu fais ton pain, OK, on l'a fait, on l'a boulangé. Après ça, là, on a une levée d'une heure et demie. Après ça, on a le façonnage,
OK? Une fois qu'il est tout façonné, je m'en vais allumer mon four à pain. OK? Quand le four à pain est prêt au bout de 45, 50, 55 minutes, ça peut dépendre de plein de petites affaires, là, le pain est assez haut dans la boîte pour pouvoir le renfourner. C'est la fille d'un pauvre homme qui se lève de grand matin du gudin. Elle s'en va au moulin pour y faire moudre son grain. C'est notre feu, OK? L'étendu, ça braise sur la sole. L'étendu de la braise sur la sole. Bonne affaire. Et puis là, je gratte le fond de mon four avec la consommation, les tisons. La braise. OK, on fait attention. Là, je prends ma palette en fournée. Fait que c'est ça, quand la voûte, là, quand en arrière, t'as un beau gros tapon de braise, puis que ta voûte est claire et blanche, là, parce que quand tu l'allumes, elle vient noire. Quand ta voûte est blanche, puis t'as un gros tapon de braise, ça, c'est tes deux premiers signes que ton four à pain y est d'adon pour cuire. Et puis là, je commence. Gabriel vient de donner ça. Okay. Là, tu m'y donnes okay. Un par un comme ça, OK? OK, mets-moi là sa palette. Je pense là? Oui. Vas-y. Mets-le comme ça. Bon. Et voilà. Là, on peut relaxer. Et voilà, après 50 minutes de cuisson, sans feu, juste par la chaleur accumulée dans la glaise, notre pain cuit. OK? Quand je te disais que j'aimais une belle pire de fesses, ça en est une, ça va-tu? Ça, c'est le pain d'habitant. Ça, c'est le pain d'habitant. Sauf que les boîtes étaient plus grosses dans le temps. En arrière, on appelle ça le cul du four, OK? En avant, ça, c'est la gueule. Tu l'as vu, boucaner noir, tantôt, là? On dit que le four, il dégueule, OK? Après ça, les côtés, c'est les joues du four, OK? Et puis quand on fait ce qu'on parlait tantôt, là, les zones, là, on fait l'ossature du four, OK? Puis le four à pain, il y a aussi une connotation physique. On dit, ah, mon petit dernier, ah, il est haut comme le four. Il est haut comme la porte du four. Ah ben, on va dire, il est haut comme la huche. Ah, mon petit dernier, il est haut comme la huche. Comprends-tu? On rattache l'être humain au vivant du pain. Hein? C'est ça. Exactement. Les rituels du... Moi, je l'ai toujours fait. Ça fait 32 ans que je le fais. Battre la vieille Annie. La vieille Annie, ça, c'est... À la fin de l'année... Le 31 décembre, à la Saint-Sylvestre, c'est ça. C'est de prendre le balai et d'ouvrir ta porte et donner des petits coups à chaque coin du four pour pas que le diable se cache là-dedans pour l'année qui s'en vient.
Ça, c'était un rituel. C'est un rituel et ça se fait. Puis n'oublie pas la miche, la signification de la miche. Signification de la miche, qui est la séparation, le partage et le signer. Signer ta miche avec ton couteau. OK? Comme ça, c'est la matière. Puis comme ça, c'est le vivant. Donc, la matière, c'est la terre, c'est la glaise, c'est la mer. Et le vivant, OK, avec une croix. Là, on est là, mais on vient là. C'est l'être vivant. C'est un pain aussi qui a été fait par ta mère, qui a été fait par ton père. C'est béni. Le pain était béni, hein? Le pain était béni. Quand ils ont commencé, ils ont lâché la chasse puis la pêche pour survivre, puis qu'ils ont été capables de se planter du blé, la graine panifiée. Là, ils n'ont plus eu peur de l'avenir, non? T'sais, il y avait du pain sur la table. Pas de pain, ça va mal. C'est la fille d'un pauvre homme qui s'élève de grand matin, digue-dame. Elle s'en va au moulin pour y faire moudre son grain. D'abord, c'est d'avoir été occupé dans ma vie, puis de savoir que les gens, le soir, au souper ou au déjeuner, ils ont quelque chose que j'ai fait. Ils ont un pain qui a été fait avec amour, parce que ça m'a été montré avec amour. Ça m'a été montré aussi avec patience, avec persévérance, parce que c'est des longues journées. Moi, je suis tout seul, là. J'ai jamais eu personne avec moi. Moi qui fais le pain, moi qui chauffe le four. Moi qui fais le ménage, c'est moi qui vends le pain, c'est moi qui récolte les affaires qu'elle a récoltées, mais ça, c'est une fierté. Mais mon autre fierté, même encore plus grande, c'est que mon fils ait fait un boulanger. Comprends-tu? Moi, il est peut-être pas là pour dans ma boulangerie, mais il va l'être un jour. C'est ça que mon fils ait fait un boulanger, que je lui ai transmis l'amour du pain, parce que je lui demande, je lui dis, Louis Julien, tu pourrais... Non, j'aime ça faire du pain. Mais il m'a vu aimer faire du pain, tu sais. Ou ouais, était souvent des fois à sa tirolienne, mais il voyait que j'aimais faire du pain. Fait que là, il a comme gardé ça dans lui, OK? Puis une autre affaire que je suis fier, c'est que quand j'ai commencé à faire du pain, là-bas, à l'avant du manoir Charlevoix, il restait à peu près, dans Charlevoix, une dizaine de fours à pain. Et puis là, on est au-dessus de 200. Fait que ça, là... Le monde, là, je te dis pas que c'est à cause de moi, mais je suis un peu à cause de moi qu'ils ont vu que Gobain avait un four, il cuit du pain dans le four, on va s'en faire un. Ça se perdra pas, là. Hein? Là, si on a 200 dans Charlevoix, dans l'Est puis dans l'Ouest, si j'envoie des fours à pain, ça, c'est une fierté pour moi. Une fierté, je la prends pour Roger, tu sais, je la prends pour Roger Ouellet qui est plus là. Roger m'a montré, puis moi je l'ai transmis, puis les autres m'ont vu faire. Ça fait que c'est la fleur, la graine, puis la fleur, puis là il y a des fruits. Le fruit, c'est les 200 pains, les 200 fours à pain à peu près qu'on a dans Charlevoix. C'est à peu près mes trois choses que je suis le plus fier.